Ravi de vous retrouver dans le Club des 5, 540e émission. Bonsoir à tous, rebonsoir à ceux qui étaient avec nous déjà dans l'émission précédente. On a débriefé la qualification du Sénégal en finale. On va revenir maintenant dans cette émission exclusivement sur la qualification, sur le match entre l'Algérie et le Nigeria, sur la qualification des Fenech 29 ans après pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai avec moi un plateau très heureux, un plateau pas très impartial, mais toujours très neutre dans leurs analyses. Je me fais pas de soucis pour ça. Monsieur Bilal Achourtani avec nous. Salut Sam. Très heureux, soulagé. J'ai presque plus de voix. Il m'en reste encore un peu. T'as changé de maillot par rapport à il y a 10 minutes. Pour le débrief, j'ai changé de maillot. C'est quand tu grimpais en régie là pendant l'émission Sénégal. Quand tu montais sur Vincent Fournier, notre rédacteur en chef. J'ai laissé la passion de côté. Je reviens petit à petit à la raison. Et comme tu l'as dit, on garde la neutralité. On remet. Le maillot de chroniqueur, on a retiré celui de supporter. Et si j'ai bien compris, comme Babacar, tu vas préparer les valises en rentrant, c'est ça? Il semblerait. Ah, tu vas, c'est bon? Il semblerait. Bah, il y aura de la place sur la finale. Je vais la faire tout seul. On va la faire, on va se la faire avec les sociaux, je pense, à mon avis. Un FAQ. Ouais, c'est ça. Avec nous, Walid Acharchour. Comment ça va, Sam? Ça va et toi? Ça va super, content. Bon, hyper. C'est vrai que j'étais un peu avec les bouchons, etc. C'était un peu compliqué. On était bouché sur un autre. Fêter la victoire avec l'Algérie. On est toujours là. On voulait débattre du le journalisme d'investigation. Faut aller voir ce qui se passe, si les gens racontent vraiment la vérité, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment le feu. D'accord. Ça bouge, c'est extraordinaire. Merci. Walid en duplex. C'est fou quand Élysée. On remercie. L'Algérie en finale. Quand même, 29 ans après, c'est. C'est beau. Moi, j'en parlais avec mon père pour la petite histoire. J'en parlais avec mon père et je lui demandais, je disais 90, papa, tu as regardé la finale contre le Nigeria, etc. Et il me disait non, à l'époque, en France, il n'y avait pas énormément de visibilité. Oui. Je l'ai regardé en résumé. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est quand même fou. C'est-à-dire que même notre génération, la génération de mes parents, quand je regarde les matchs avec eux, etc., ils te disent non, nous, on n'a jamais connu. La victoire en 90, on ne l'a pas connue comme là maintenant. Donc c'est un truc de malade. C'est un truc de malade que tous les Franco-Algériens sont en train de vivre. Ce qu'il y avait en premier, généralement, c'est plus la Coupe du Monde 80. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde 90, on entend moins parler. La CAN 90, pardon. T'en m'en parler. Najim Medini, vous êtes. Voilà, c'est ça. Non, mais qui était déjà avec nous avant pour les sociaux. Oui, voilà, pour les sociaux. Historien, me disant Najim Medini. L'historien Najim Medini, qui était déjà avec nous dans l'émission. C'est ça, exactement. Bonsoir, Najim. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent de Najim, nous rejoindre. Alors, tu nous as déjà dit que t'allais bien tout à l'heure. On imagine que ça a pas bougé. Ça va très bien. Bah là, je me suis refait trois fois le coup franc de Mahrez. En l'espace de 10 minutes, là. Non, en l'espace de 10 minutes. En attendant Walid. Ouais, exactement. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est une dose de bonheur. D'ailleurs, tu te l'es refait trois fois, donc pour ton plaisir là avant l'émission, mais on pourra voir la manière dont tu l'as vécu en live demain à Emelarchène. Ça promet d'être beau. Deux ça. Super insights. Il y en a un sur le Sénégal qui est très très lourd avec beaucoup de bips. Et un également sur l'Algérie. On était plus sage. Plus sage. Au niveau de la parole, mais au niveau des gestes. Plus sage, mais on va voir qu'il y a eu quand même de l'explosion. Ou beaucoup de déceptions à des moments. À certains moments aussi, ça aussi, faut pas l'oublier. Les socios, merci d'être avec nous, de prolonger cette soirée en deux émissions en compagnie du Club des 5. Qui fait ça? Je sais pas. Personne. Je sais pas. En tout cas, bien sûr, les socios, vous le voyez, bien sûr, les likes, les pouces bleus, c'est très 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 important. Vous êtes déjà très nombreux avec nous. Les pouces bleus, surtout les socios, n'hésitez pas à liker l'émission et puis continuer à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bien sûr, pour qu'on puisse continuer à débattre. Et puis c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, le Club des 5. On rappelle, l'objectif, c'est 50 000 hein, d'ici la finale de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal. Donc, voilà, à vous de montrer que vous êtes les meilleurs supporters du monde. Hein, on va voir. Faudrait faire ça. C'est ce qu'on voulait faire au début. Faudrait faire ça. Hein, là jusqu'à vendredi, faudrait faire un Team DZ contre un Team Sénégal, voir. Ça serait beau. Voir qui ramène le plus d'abonnés. Ce serait un petit match assez sympa. Le sommaire de notre émission, les socios, sans plus tarder. On va revenir bien sûr exclusivement, je vous disais, sur la victoire de l'Algérie ce soir face au Sénégal. Merci Riyad Mahrez, 29 ans après, les Algériens retrouvent donc la finale de la CAN au bout d'un finish assez extraordinaire, à couper le souffle. On va revenir sur ce match, en tout cas côté algérien, et puis on se projettera un petit peu, un parcours de champion pour l'instant pour l'Algérie, qui a battu le Sénégal en poule, qui a sorti la Guinée
Guinée qui a sorti la Côte d'Ivoire, qui a sorti le Nigeria. C'est quand même des monstres du continent africain. Est-ce que c'est donc un parcours qui doit être couronné à la fin du tournoi? Ce sera vendredi. Quelles sont les forces pour l'équipe de Belmadi? Est-ce qu'il y a des craintes justement par rapport à l'état physique des joueurs des Fennecs? On va se poser la question. Et puis on terminera avec le Nigeria, les amis des Super Eagles qui sont donc éliminés de cette CAN en demi-finale, hein, qui pourront toujours aller chercher la troisième place. Ce sera mercredi contre la Tunisie. Et maintenant, pour les Nigérians, est-ce que c'est une élimination logique? Est-ce que on va avoir des choses de plus en plus attrayantes avec cette sélection au fur et à mesure du temps? On va se poser la question en fin d'émission. La question du soir, les socios, et oui, à vous de vous donner vos avis. Est-ce qu'il restera assez de ressources aux Algériens pour aller remporter cette finale? Ce sera vendredi face au Sénégal. Est-ce que selon vous, après un match assez émoussant contre nos amis ivoiriens, après un scénario encore ce soir émotionnellement assez dur à vivre, parce que c'est assez, on va dire que c'est quand même assez heureux comme fin, mais bon. Ça a été, j'imagine, dans les têtes assez lourd toute la rencontre. On a vu une équipe aussi qui a une certaine régularité. On revoit les mêmes hommes. Donc, est-ce que tout ça peut compter? Est-ce qu'on peut avoir une Algérie émoussée en finale malgré ce parcours assez incroyable pour l'instant? Donnez-nous vos avis, les socios, c'est très important. Sur le chat, bien sûr, ceux qui sont avec nous, comme je disais, vous êtes déjà très nombreux. On n'oublie pas les pouces bleus, bien sûr. Et ceux qui nous regardent en replay, très important. Déjà, que ce soit ceux qui nous regardent en live ou ceux qui nous regardent en replay, c'est très important d'avoir vos commentaires en replay, parce que comme ça, et Bilal, et Najim, et Walid, ils peuvent venir. Et moi-même aussi d'ailleurs, parce que ça m'arrive de plus en plus. On peut venir le matin, on peut venir. C'était quoi ce petit geste? Je n'ai rien fait du tout. J'ai un peu l'élève gercé, c'est-à-dire que quand on fait ce geste-là, c'est l'élève gercé. Ce soir tu peux me laisser tranquille. Parce que je prends vraiment, je dis pas ça parce que t'es là, mais je prends beaucoup de plaisir parfois à lire tes commentaires, et des fois tu vas de ton petit tacle et tout. C'est Gattuso lui, c'est Gattuso. Il envoie des tacles, des mines. Qui a été aussi véhément, et je vois Samuel Vasselin. C'est Pierre Ducasse à son prime. C'était un plus grand frappeur que Tacler. Ducasse. Tu mets des grands noms. Moi, c'est-à-dire que comme je disais, notamment à nos amis sénégalais, algériens qui nous suivent depuis le début de la compétition, comme je dis, l'important c'est de débattre dans le respect. Quand il y a des insultes racistes, quand il y a des insultes, quand des personnes attaquent physiquement les chroniqueurs, etc. Je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule, et c'est vrai que je fais mon petit justicier. J'aime bien. Je vais leur dire que c'est n'importe quoi, mais j'ai confiance pour que ce soir on ait des commentaires instructifs et non pas des trucs débiles où il y a des insultes qui n'ont pas du tout leur place dans une émission de foot. On va pouvoir commencer notre débrief justement sous le ton de la bonne humeur et puis avec des supporters contents sur ce plateau. L'Algérie est donc qualifiée en finale de la CAN 29 ans après victoire ce soir au bout du suspense de 2-1 contre le Nigeria. Ouverture du score de Trostekong en plus en fin de première mi-temps. Ça ressemblait un petit peu au but qu'a encaissé la Tunisie cet après-midi. C'est lui d'ailleurs qui avait qualifié les Super Eagles au finish également pour les demi-finales. Donc voilà, le héros malheureux. On s'est dit que l'Algérie partait bien, et puis il y a eu ce penalty pour Igalo, l'égalisation des Super Eagles. On est là à 20 minutes de la fin, on se dirige vers une prolongation. Dernier coup franc pour Riyad Mahrez, qui n'était pas sorti à ce match, comme ça avait été le cas contre la Côte d'Ivoire. Et là, Riyad Mahrez qui s'est fait plaisir, on va dire, et qui a fait plaisir un peu à tout le monde, surtout aux supporters algériens. Voilà, un finish assez incroyable, Bilal, parce que on se dirigeait vraiment vers une prolongation, c'était pas forcément illogique. Et puis voilà, il y a cette petite étincelle qu'il faut dans ce genre de rencontre pour aller chercher le bonheur. Ouais, il y a eu cette petite étincelle. On parlait souvent depuis le début de la Coupe d'Afrique du rôle de Riyad Mahrez. On en parlera certainement plus en détail dans l'émission, mais c'est vraiment le genre de joueur magique qui peut faire basculer une rencontre. Et quand il est dans ces conditions-là, évidemment, ça change toute la partie. Pour revenir sur l'entame de match, oui, ça a été un match très équilibré. On a vu 50% de possession de balle d'un côté comme de l'autre. L'équipe d'Algérie qui a très bien réussi sa première mi-temps, qui est entré avec des intentions, avec toujours le même plan de jeu, l'idée de presser, de jouer long, de chercher l'attaquant et d'aller imposer une pression à la défense nigériane. On a vu ce plan-là avec peut-être des jambes un peu plus lourdes par rapport au tour précédent. On sentait déjà en première mi-temps sur les appuis que ça mettait un peu plus de temps à arriver, que le pressing n'était pas aussi constant. Il marque quand même avant la mi-temps, ce qui vient soulager tout le monde. Et finalement, ça vient récompenser aussi pas mal d'occasions. Je pense notamment celle de Bounedjah devant les cages qu'il se crée lui-même. Ça vient récompenser ça.
Ensuite, le Nigeria revient bien. Par contre, je ne les ai pas trouvés très dangereux. On aura une partie sur eux, mais je ne les ai pas trouvés très dangereux. C'était plus une supériorité physique. On sentait qu'ils avaient plus de jus, plus d'énergie, plus d'intensité à mettre dans cette partie, sans forcément que ça se traduise par des occasions chaudes. Et il y a ce pénalty. Dans le club des 5, on ne parle pas trop d'arbitrage, mais on va dire qu'il était frustrant parce que justement le Nigeria n'avait pas été si dangereux que ça. Donc au-delà de la décision. Et comme on disait dans la précédente émission, puisque le pénalty Koulibaly est assez semblable, c'est-à-dire que maintenant avec la VAR, on ne parle jamais d'arbitrage, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Non, mais c'est même pas sur la décision, mais c'est sur la règle maintenant. C'est même pas la règle, on va dire que c'est un petit défaut qu'il y a maintenant, c'est-à-dire que avec l'utilisation de la vidéo, tous les arbitres, quand ils voient une main, qu'elle soit. On a vu l'exemple de Gay, que voilà, effectivement. On a vu le contre-exemple, mais là, effectivement, sur la psychologie même de la frappe, si on peut dire quelques mots sur la psychologie concernant la frappe, on voyait qu'elle était pas, c'était pas une frappe dangereuse. Elle n'était pas cadrée. Issa Mandi n'avait pas un bras excessivement levé. Donc bon, ça peut siffler. Voilà, dès qu'il y a une main, c'est très souvent. On va dire que. Pensez à la main de Kipembe. C'est très difficile, mais on va dire que dans le contexte du match, c'est plus ça vient contre le cours du jeu, puisque le Nigeria, même s'il dominait, n'avait pas forcément beaucoup d'occases. Et derrière, ça a été dur pour tout le monde. Les deux équipes s'observaient. L'Algérie était vraiment moins bien physiquement, on peut le dire. Et puis voilà, cette étincelle de génie à la 94e. Moi, quand il pose le ballon, je me dis, mais je priais pour que ce soit pas Belaïli qui le tire, parce que ça me paraissait plus intéressant pour un gaucher. Et là, Mahrez, on parlera de lui, mais quel calme, quelle sérénité. C'était un des seuls à garder du jus en fin de match. Et là, il vient inscrire son nom dans l'histoire du football algérien. J'aimerais remercier les socios très, très, très présents, les socios algériens, même si on sait qu'il y a beaucoup de socios dehors également. Alors, dans les rues parisiennes, bien sûr, pour tous les socios français qui nous suivent, enfin, parisiennes, françaises, hein, d'ailleurs, un peu partout dans toute la France, mais surtout à Alger. Hein, il y a beaucoup de socios qui nous disent que c'est le feu. En ce moment, ils nous disent qu'ils nous écoutent depuis Alger, que c'est le feu. Il y a le Game, c'est la base, qui nous dit le club des 5, vous êtes les meilleurs. Donc, on le remercie, bien sûr. Tous les socios qui sont avec nous, voilà, il y a Soso qui nous dit même à minuit 30 ça débrief, c'est lourd. Bah oui, bien sûr. On est là. Pourquoi on serait pas là avec une si belle compétition et des si beaux scénarios? Continuez les socios en tout cas qui êtes avec nous depuis tout à l'heure déjà à commenter, parce qu'on a des vrais avis constructifs sur le foot, ça fait du bien parce qu'on a eu encore tout à l'heure plein de messages racistes pourris qui n'ont rien à faire sur le chat. Et puis continuez, bien sûr, vous le savez. Et là, je vois que vous avez bien capté le rythme depuis tout à l'heure, les pouces bleus, c'est très très important. Et puis abonnez-vous, ceux qui nous découvrent, ce sera surtout primordial pour pouvoir suivre vendredi le débrief, dès mercredi d'ailleurs, le débrief de la petite finale, et pour les supporters algériens et sénégalais, dit vendredi soir, gros débrief dans le club des 5 dès la fin de la finale. Voilà, Athée qui nous dit voilà, qu'on est écouté même à Alger, voilà, on salue bien sûr tous les socios également du club des 5 qui sont à Alger et un peu partout dans l'Algérie, partout dans toute l'Afrique, qui nous regardent depuis le début de cette CAN et même depuis le début du projet. Il y a eu un match un petit peu en demi-temps, encore une fois, Walid, c'était un peu le thème du jour, hein, puisque dans l'autre demi c'était un peu pareil. Alors, à la différence de l'autre demi, c'est que Bilal le disait, on n'a pas senti un Nigeria non plus très dangereux en deuxième mi-temps. Néanmoins, on a senti que l'Algérie a baissé d'un cran, que s'est mis en danger ou a été mis en danger, et que c'est à ce moment-là que le match aurait pu leur échapper. Donc là, encore une fois, surtout avec le scénario et le but à la dernière minute, on se dit que ce match bascule sur pas grand-chose. Oui, après, il y a eu des temps forts et des temps faibles de part et d'autre. Maintenant, si on doit comparer avec le match contre la Côte d'Ivoire, moi, j'ai trouvé quand même l'Algérie globalement supérieure et un ton au-dessus. Déjà, dans le début de match, j'avais beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions sur la faculté à récupérer émotionnellement de cette séance de tir au but et physiquement. On savait que Feghouli était sorti blessé, qu'il y avait eu Bounedjar. On en avait discuté notamment avec Bilal lors de l'émission. Est-ce que le match d'après va être plutôt convaincant? Tout l'effectif, hein, globalement, même l'entraîneur, et je trouve qu'ils ont pris le match par le bon bout, qu'ils ont été proactifs sur le terrain. Ça m'a rappelé un peu le match contre le Sénégal où ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, même si Feghouli n'a pas fait un grand match avec ballon, il a toujours harcelé le porteur. La même chose pour Bennacer qui a fait un super match encore une fois. Moi, les deux meilleurs joueurs de côté algérien, c'est pour moi Bennacer et Belaïli, qui ont été énormes du début jusqu'à la fin. Maintenant, c'est vrai que au fil de la rencontre, le fait de ne pas avoir été efficace en première mi-temps, parce que si on regarde bien, le but intervient juste avant une grosse occasion du Nigeria. Le Nigeria commençait après la première demi-heure à retrouver des espaces. Il y avait eu la grosse occasion d'Igalo notamment, où Ben Lamri est aspiré avec Guedjura, et il marque sur un très très beau changement d'aile de Belaïli, Mahrez qui dépose son vis-à-vis et Kang qui marque contre son camp. Mais il y a eu quand même des grosses occasions, des grosses situations. Le corner de Ben Seba sur la tête de Ben Sebaïni qui est tout seul aux 15 mètres, le face-à-face de Bounedjah qui a eu des
énorme situation aussi. Tu te dis, purée, t'as pas fait le break, le Nigeria va hausser le ton, va hausser dans l'intensité en deuxième mi-temps, et ils peuvent revenir. Maintenant, ils l'ont fait, mais sans vraiment, comme l'a dit Bilal, et je suis d'accord avec lui, sans vraiment mettre en danger la défense centrale. Le but arrive comme ça, sur un cheveu sur la soupe, avec une frappe désespérée, mais sinon, Mbolli, à part la grosse frappe d'Iwobi, il a pas été inquiété. C'est vrai que pendant ce temps-là, on a senti que l'Algérie, dans les sorties de balles, c'était un peu moins bien réalisé, qu'il y avait beaucoup de ballons perdus. Mais derrière, moi, je trouve que les 20 dernières minutes, par contre, et notamment les 10 dernières, ils ont été super bien gérés et qu'il y a eu un gros temps fort. Parce qu'on parle du coup franc de Mahrez, mais avant le coup franc de Mahrez, il y a la transversale de Bennacer. Il y a Bennacer qui va gratter ce coup franc sur une grosse action de Mahrez qui part en faisant deux passements de jambes, et à la limite à Ouazim qui vient le couper. Sur les 5 minutes, c'est un gros temps fort de l'Algérie. On n'a pas vu une équipe d'Algérie spéculer sur la fin du résultat pour attendre les prolongations en fin de match. On a vu une Algérie qui a essayé d'aller chercher cette victoire. Alors est-ce qu'ils avaient aussi la peur d'avoir cette fatigue qui allait s'accumuler, mais en tout cas sincèrement, au-delà du coup franc qui aujourd'hui va rentrer dans l'histoire et qui appartient à l'histoire de Mahrez, on va en parler de Mahrez. Voilà, exactement. Pour aller jusqu'à ce coup franc là, t'as quand même un gros temps fort. Et pour terminer, par rapport à la Côte d'Ivoire, moi je trouve que la prestation collective, elle est beaucoup plus aboutie que celle contre la Côte d'Ivoire, où j'avais trouvé la Côte d'Ivoire beaucoup plus dangereuse que le Nigeria ce soir. T'es d'accord avec ça, Nadim? Parce que c'est vrai que l'Algérie a aussi beaucoup gâché ce soir. Hein, ah ça buts. Oui, le problème de l'efficacité. Deux tirs cadrés seulement, bon, ça fait deux buts, hein. c'est efficace au moins, enfin, même s'il y a un but concentrant. Offensivement, je trouve quand même que l'Algérie s'est procuré beaucoup plus d'occasions face à la Côte d'Ivoire que ce soir. On peut dire face à une défense quand même plus faible. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu cette solidité défensive ce soir qui n'a pas eu forcément face à la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire, l'Algérie a concédé beaucoup d'occasions qu'aurait pu terminer au fond. Et pour aller un petit peu dans la continuité de ce que disait Walid, offensivement, on a des temps forts, on a des temps faibles, mais défensivement, on a cette sensation vraiment d'un temps fort continu, en fait. Parce qu'une nouvelle fois, et c'est ce que disait Bilal... On appelle ça la solidité, finalement. C'est ça. L'Algérie n'a pas été inquiétée, en fait, pratiquement de toute la rencontre. Alors, il y a eu quelques situations chaudes, mais c'est normal, c'est un match de foot. Mais si on se remémore le match, il n'y a pas vraiment eu de grosses occasions. J'ai pas vu Mbolli vraiment en danger, exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment le fil conducteur de cette équipe algérienne, parce que depuis le début de la compétition, l'Algérie, c'est combien de buts Parce que rappelez-vous, Nigeria avait eu un match compliqué. Avait eu un match compliqué contre l'Afrique du Sud, mais avait eu beaucoup plus de situations chaudes. Alors que là, ils ont eu peut-être un match un peu moins compliqué, mais pas forcément plus d'occasions. Pour le coup, c'est la vraie marque de fabrique de Belmadi. Walid parlait très justement du travail des milieux de terrain. Ils ont laissé quasiment pas d'espace, compensation continue à chaque fois que Guedjoura, par exemple, passait peut-être un peu à côté sur certaines phases. Bah, t'avais Bennacer qui pouvait compenser. Et inversement, Guedjoura aussi récupérait pas mal de ballons, mais il y avait cette espèce de travail pour l'autre qui a été important. Et la défense, on en parle peu, mais il y avait là cette titularisation de Mehdi Zéphane qui a un peu fait peur à tous les Algériens, puisque c'est pas un joueur qui a l'habitude d'être titulaire, et même en club il est pas parfois peu rassurant. Et là, il a tenu son rôle, il s'est appliqué défensivement. Devant, c'était pas flamboyant, mais il s'est bien appliqué défensivement, il a tenu son rôle. Ben Sebaini à gauche aussi, qui s'impose comme un défenseur solide, et la charnière la charnière Mandy Ben Lamri, c'est impressionnant, parce qu'ils sont capables de faire des choses complètement différentes. Mandy a beaucoup apporté sur sa capacité à transmettre la première relance, je cours, a souvent retrouvé les relayeurs en position offensive, c'est-à-dire toujours face au but. Et Ben Lamri, toujours un coup d'avance, toujours cette capacité à remonter un peu le ballon et à jouer de son corps pour défaire les adversaires. Et la complémentarité de cette défense, elle donne ce sentiment-là d'une forteresse. Et derrière, je pense que ça rassure Mbolli, ça rassure les latéraux, ça aide aussi les milieux. Il y a vraiment une espèce de forteresse algérienne qui s'est créée pendant cette carte. Oui, Nadim, mais on va développer. C'est vraiment ce système de compensation qui est aussi très intéressant, comme il le disait. Par exemple, par exemple, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé Guedjoura un peu en difficulté. Il s'est fait passer à plusieurs reprises, il a eu quelques difficultés. Dès l'heure de jeu, on l'a senti beaucoup plus. Guedjoura, on l'a trouvé beaucoup plus en difficulté, même physiquement. On avait la sensation qu'il avait beaucoup de mal à couvrir ses espaces. Il est extrêmement important parce que, comme je l'avais déjà dit dans une précédente émission, c'est lui qui est chargé un petit peu de défendre cet espace entre la défense et le milieu de terrain. Donc c'est extrêmement important. Colmate vraiment les brèches. Voilà, exactement. Forcément, vu que physiquement il avait un peu plus de difficultés, il avait forcément plus de difficultés à colmater les brèches. Tout le monde mais voilà, exactement, il y a cette compensation. Si lui il est un peu en difficulté, on a vu Bennacer par exemple redescendre énormément, lui aussi colmater les brèches, récupérer des ballons dans les pieds, et ça c'est ce qui fait la force. Moi j'ai une action qui m'a marqué énormément très rapidement, Sam, c'est Belaïli en deuxième mi-temps qui démarre sa course
derrière Awazim sur le côté. T'as l'ailier nigérian qui dépose le latéral et t'as Belaïli qui fait une course énorme sur la droite et il la sort pour, je crois que c'est 70e juste après le but hein. Et le Nigeria, tu dis que le momentum a un peu changé et les mecs, tu vois que Belaïli il est arrivé, il est à 70 mètres, il te fait une course énorme pour essayer de limiter la casse. Ça symbolise un peu l'état d'esprit de l'Algérie ce soir. C'est ça. On va revenir de toute façon sur l'état d'esprit, même plus globalement sur l'ensemble de la CAN. On va parler de Mahrez dans quelques instants. Juste, j'aimerais remercier bien sûr les socios très nombreux avec nous depuis le début de l'émission. Continuez à mettre des pouces bleus. Je vous harcèle avec ça, mais c'est très très important pour le projet Club des 5. Vous ne savez pas à quel point un petit pouce bleu aide une émission à se développer. C'est pas des paroles en l'air. Il y a beaucoup de socios avec nous ce soir. Il y a même Andy Wu, tiens, sur le chat qui nous dit Bilal, que grâce à toi ou à cause de toi, ça dépendra de où on se place. Elle supporte l'Algérie depuis les quarts de finale contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, elle voulait le signaler. Quel talent. T'as réussi à convaincre des socios de supporter. C'est une étoile en plus. En plus, Andy, je crois qu'elle est toujours d'ailleurs. Sauf si elle a demandé aussi le changement. C'est la nouvelle Andy Delors. Exactement. Mais je crois qu'elle est ivoirienne. Mais oui, elle est ivoirienne. Non, mais c'est pas anodin. Je remarquais un truc. Alors c'est très très rapide, mais c'est vrai que les Ivoiriens depuis ce match contre l'Algérie, t'as pas mal d'Ivoiriens qui ont de la sympathie pour l'équipe d'Algérie parce que ils se sont aussi très bien battus. Il faut le souligner. Ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe d'Algérie. Donc on va dire, il y a une sympathie positive qui est sortie de ce match. Donc je salue cette société. Bon, ben tant mieux. Quelque part, vaut mieux ça que de se faire détester par son adversaire. On a vu beaucoup de Tunisiens tout à l'heure souhaiter aux Sénégalais de se prendre une rousse contre l'Algérie. C'était beaucoup moins sport pour le coup. Parlons de Riyad Merguez, comme on nous dit sur le chat. Mais alors ce soir, il l'a bien grillé, la Merguez. Et pour le coup, elle était bien piquante. Parce que notre ami Riyad, il est en train de faire une canne, on le dit depuis le début, assez impressionnante. Supplément frites. Supplément Merguez, il s'en bourgeoisait là pour le coup vraiment. Voilà, alors on le voit, son match est pas extraordinaire, un peu dans la lignée de la Côte d'Ivoire. On rappelle, il avait été remplacé par Ounas à 20 minutes de la fin. Voilà, c'est encore une fois à l'image depuis le début de cette CAN, on le répète, Walid, c'est un Mahrez qui est un peu plus libéré, à qui on a voulu détacher ce rôle d'homme providentiel, ce rôle de facteur X sur qui toute l'équipe est centralisée. C'est un élément à part entière du 11, mais c'est pas l'élément du 11. Et au final, ça devient l'homme providentiel. Non, c'est ça en fait qui est presque drôle, c'est-à-dire qu'en voulant enlever à tout prix le costume de l'homme qui doit tout faire en lui laissant plus de liberté, il devient finalement pas cet homme qui fait tout, mais l'homme en tout cas qui fait lever les foules. On va pas se répéter parce que depuis le début de la compétition, on le dit, Belmadi cesse de le répéter en conférence de presse. Ceux qui nous suivent sont maintenant au courant. Maintenant, ce soir, c'est un peu l'apothéose. Enfin, j'espère que ce sera vendredi pour tous les supporters algériens. Déjà, il a amené l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui l'ont fait. Exactement. C'est un peu l'apothéose de tout ce que Belmadi a essayé d'accomplir depuis qu'il a pris cette prise de fonction. On avait parlé du match contre le Togo, notamment là-bas, le 4-1, où il avait été très bon contre Atal. Ce soir, pour moi, c'est pas le meilleur joueur algérien, et ça symbolise un peu ce qu'il a voulu apporter en lui enlevant cette responsabilité de star et d'homme à tout faire, comme tu le disais. Moi, j'ai trouvé Belaïli bien plus intéressant dans le contenu, que ce soit en première mi-temps, dans sa faculté à pourvoir de ballon Bounedja. Mais Mahrez, il est décisif sur les deux buts. Et son coup franc, dans l'histoire du football algérien, je pense que c'est Bilal qui le disait tout à l'heure, on en parlera dans 10 ans, on en parlera dans 15 ans, dans 20 ans. C'est pour ceux qui suivent un peu le basket, voilà. On souhaite aux supporters algériens qu'il y ait d'autres coups francs, d'autres raisons de parler de l'histoire du foot algérien. Ce genre d'image marquante. Tu vois, d'autres événements. Ouais, exactement, ce genre d'image marquante, le but d'Antiyarka en 2010 contre l'Egypte, ce but de Mahrez restera dans 15-20 ans. Le but d'Antiyarka, on en parlera et parle et on continuera d'en parler. Et cette image du mec clutch qui met un coup franc à la 95e où il prend ses responsabilités, d'autres joueurs auraient pu le tirer. Moi, il y a cette scène un petit peu cocasse avec Belmadi sur la glacière en mode Bielsa juste avant le coup franc où il parle avec Andy Delors, il parle avec tout le monde. Ah, tu penses c'est qui va le tirer? Guedjura en force? Ça va être Belaïli? Ça va être qui? Et finalement, le mec qui prend ses responsabilités, il marque, il la met en pleine lucarne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce geste-là, ce coup franc, maintenant appartient à l'histoire. 29 ans après, tu qualifies l'Algérie face au Nigeria. Le Nigeria qui restait, encore une fois, sur 17 participations à la CAN, 14 demi-finales. C'est fou, c'est impressionnant. Et bravo à lui parce qu'il ne faisait pas l'unanimité.
a raison parce que en sélection il a jamais. Dans le club des 5, moi je me rappelle, je sais pas si c'était toi Bilal ou moi-même qui était à ce desk ce soir-là contre le Bénin. Où on se pose la question. Je disais Bilal au moins, il était à la présentation, je veux dire. Toi, je sais que t'es là. Il est partout avec Golo Kanté. Non, mais c'est moi qui l'avais dit. T'as pas... Non, mais où on se posait la question. S'il devait rester. Est-ce qu'en Afrique, il doit être encore. Bien sûr. Et c'est pour ça que je disais, il y avait des sceptiques, il y avait des incertitudes. À raison, parce qu'il n'a jamais, encore une fois, fait ce genre de Coupe d'Afrique des Nations, même s'il avait marqué contre le Zimbabwe en 2017. Là, ce soir, au pays, et même en Afrique, il a changé de dimension. Clairement. Il y a. Pardon. Merci. Je voulais dire que, politesse. Je veux dire que finalement, il y a très souvent. Parce qu'on est en finale. Très souvent, si on avait perdu, je pense qu'il ne m'aurait pas donné la parole. des coups francs de dernière minute dans des moments chauds, on se dit souvent, mais allez, il peut le tirer, mais ça arrivera jamais. Ça peut paraître un peu comme dans un scénario de film. Et finalement, quand il a ce coup franc, ça me fait aussi penser au coup franc de Delors face à la Côte d'Ivoire. Tu te dis, ok, mais ce serait trop beau s'il arrive à marquer le but. Exactement. Et finalement. Pas vraiment, mais. Il y en a certains qui ont réclamé la fin. Au même moment, on va dire. Dernière seconde avant la fin du temps. Même moment du scénario. Donc finalement, on se dit, mais c'est impossible qu'il va la mettre. Et finalement, il la met. Et donc, c'est magnifique. Et c'est pour ça que ça restera dans l'histoire. On pourrait faire un top 5 des coups francs à la dernière minute. Ah bah celui-là, il est bien passé. C'est quoi, on pourrait en faire un et j'ai déjà mon top 1. Attention, top 1, il y a Zizou aussi contre l'Angleterre. Ouais, mais c'est pas la même chose, c'est un match de groupe, pas le premier match. C'est pas la même chose. Il y serait, mais pas la même endroit. C'est clair, mais juste. Il réfléchit. Mais une question rapide. Est-ce qu'on a déjà eu un coup franc comme ça à la 94e en demi-finale d'une grande compétition? C'est pas sûr, j'y réfléchissais. Vous avez vu? Je suis pas certain, moi j'ai pas sûr. Moi j'ai pas. Pas vraiment. Pour le coup, tout est. Effectivement, je vais pas paraphraser, tout est réuni. Moi, quand je vois le coup franc, je me dis, mais. Si Mahrez règle son pied qui s'applique et qui nous donne un peu de magie, c'est génial, mais j'y croyais vraiment pas. Bah et ouais, je pense que sûr. Tout le monde s'est regardé, mais c'était le bonheur absolu. Au-delà de ça, si on revient sur les performances de Riyad Mahrez, il a été responsabilisé, ça c'est clair, et vous l'avez dit, il a le brassard aussi qui a fait évoluer déjà sa communication. C'est vrai, il s'exprime énormément après les matchs, il a une analyse, une analyse sur les performances de son équipe, il se cache pas pour revenir sur les points faibles, etc. Donc Belmadi a fait un choix qui paraissait peut-être pas prioritaire au départ, on s'attendait peut-être plus à avoir quelqu'un comme Feghouli capitaine, et ben non, il a mis Mahrez face à ses responsabilités en lui donnant le capitaine et en attendant de lui qu'il upgrade son leadership sur l'équipe, ça c'est au niveau mental, au niveau du jeu. Tu parlais tout à l'heure de Belaïli, on peut dire que les deux sont dans un registre complètement différent. Ce que peut apporter Mahrez en équipe d'Algérie, c'est assez intéressant, c'est d'abord faire le tempo sur les phases où l'Algérie n'y arrivait plus physiquement. Le joueur qui revenait un peu plus dans le cœur du jeu, qui n'hésitait pas à repasser par la défense, à chercher Mandi, Ben Lamri, à changer un peu le jeu par des passes comme il peut faire parfois à City, dans une équipe qui est capable de faire tourner le ballon, il a été très utile en ça. Ça se voit pas sur les stats, ça se verra peut-être pas sur le bilan de sa compétition, mais il a réussi... comme ça, à apporter du calme et de la sérénité à cette équipe. C'est pas un joueur foufou, pas un joueur qui va percuter comme peut le faire Belaïli, mais il est capable d'apporter autre chose avec la qualité de son pied, à réorienter le jeu. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant chez Riyad Mahrez, c'est que sa capacité à peut-être moins se dépenser, elle est utile en fin de match, là où le jeu doit changer. À la fin du match, les deux seuls joueurs algériens qui avaient encore du jus, c'est Riyad Mahrez et Ismaël Benacer. Et Feghouli, à un moment, doit la mettre à Riyad Mahrez en profondeur, il la met pas, on sent Mahrez un peu agacé, et là on se dit, si ça doit venir de quelqu'un, ça viendra de Riyad Mahrez, parce que il a aussi géré ses temps faibles, il a pu s'économiser physiquement, et il est là pour ça en équipe d'Algérie. Belmadi l'a compris, il a compris que il fallait pas forcément que Mahrez soit mis au charbon, qu'on attende de lui des tacles par derrière ou des redescentes spectaculaires. Mais dans ces moments clés où tu dois faire parler la magie, il y a peu de joueurs qui sont capables de le faire et lui en est capable et il l'a montré ce soir. Et puis tactiquement, pour aussi rajouter quelque chose à ce que vient de dire Bilal, c'est que on connaît la connexion entre Bounedjah et Belaïli, ce qui fait qu'on a très souvent Bounedjah qui va un petit peu s'exporter côté gauche pour pouvoir combiner avec Belaïli, ce qui fait que ça décale un petit peu le bloc défensif adverse sur ce côté gauche et ça permet ensuite à Mahrez de très souvent se retrouver en 1 contre 1, et d'ailleurs sur la passe, sur le but contre son camp qu'il amène, c'est lui avec ce passement de jambe où il arrive à complètement laisser sur place son vis-à-vis. Il est décisif sur les deux buts. Voilà, exactement. Et finalement, il est très souvent en 1 contre 1. Ça me fait aussi penser au but qui marque. C'est contre qui le but contre la Guinée. Le but où il arrive à contrôler et ensuite il se retrouve à chaque fois en 1 contre 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette connexion Bounedjah-Belaïli qui souvent permet au bloc défensif de s'orienter vers la gauche et de le laisser en 1 contre 1. Et de fixer le bloc nigérian. C'est ça, exactement.
Des réactions sur le chat. Allez, on voit, on voit. Beaucoup de socios avec nous. Déjà, je voudrais saluer Sun qui nous dit qu'elle nous suit de Kyoto au Japon. Oh, ouais, c'est beau, y a, ça. Y a bon. Le club des 5 est vraiment international pour le coup. Comment on dit merci en japonais? Arigato. Arigato, oui, oui, oui. En plus, oui, je non, mais je testais juste, c'est complètement. Tu vas faire mes niveaux si j'avais fait des cours sur Babel. Je pense que tu regardais Naruto. Je pense que c'était surtout pour nous montrer qu'il savait dire merci en fait en japonais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'était pour crâner aussi. Je pense que je te laisserai plus la parole. Arrête. Bilal, il va encore, on va avoir une déclaration de Marès qui va nous faire notre transition vers le deuxième débat, vers cette Algérie, un parcours de champion. Regardez ce qu'il nous disait justement le capitaine des Fenech juste après le match. C'était notre objectif, donc d'aller en finale. Nous sommes très très heureux de faire rêver notre peuple. C'est le but le plus important pour moi en sélection. C'est un rêve de remporter la CAN. Il reste un grand match face au Sénégal. On voit la compétition n'est pas terminée pour l'Algérie. Il reste un match à prendre énormément au sérieux. Et pourtant, pour l'instant, il réalise, je le disais, une CAN assez, une CAN quasi parfaite. Allez, si on veut chipoter, on va dire quasi parfaite, parce qu'il gagne pas en 90 minutes contre la Côte d'Ivoire. Regarde, on peut se revoir le tableau final, hein. Donc, victoire 3-0 en huitième de finale face à la Guinée. Fallait le faire quand même, parce qu'on rappelle que la Guinée avant la compétition, même s'ils ont fait une CAN très moyenne avant la compétition, c'était un des possibles outsiders du tournoi. Derrière, ils affrontent la Côte d'Ivoire qui pareil était dans une CAN très moyenne, mais qui a fait un gros match contre l'Algérie et qui est toujours un gros morceau à prendre dans une compétition. Ils sont passés au penalty juste, mais ils sont passés. Ce soir, ils battent le Nigeria qui était le recordman du nombre de demi-finales en compétition en Coupe d'Afrique plutôt des nations. Donc là, encore une fois, on élimine un gros morceau avec de l'expérience. C'est vrai, voilà, je le dis, c'est un parcours assez costaud qui forge le respect quand même, Walid, parce que on se posait la question après le match à Guinée, est-ce que c'était déjà une CAN réussie d'aller en quart, parce qu'à la base, on ne savait pas trop ce que ça pouvait donner là, avec Belmadi. Là, on parle d'une finale où tu viens potentiellement d'éliminer trois, alors gros d'Afrique non, mais trois pays qui en CAN sont emmerdants surtout, à jouer. Et surtout deux vainqueurs de la CAN sur les récentes années, en 2013 et en 2015. Deux des trois derniers vainqueurs de la CAN. Exactement. Ça nous place un peu la performance de cette équipe d'Algérie. Moi, pour être très honnête, j'avais beaucoup de mal à y croire. Je pensais que l'Algérie pouvait aller en demi-finale, mais de là à sortir l'Égypte ou le Nigeria. Voilà, c'était l'Égypte, hein, l'Égypte qui aurait dû être sur la route de l'Algérie. L'Égypte ou le Nigeria, j'avais un peu de mal à y croire. Je pensais qu'il y allait avoir un petit peu péché de naïveté, de jeunesse, de fatigue. On rappelle juste, je te recoupe, Walid, désolé, mais avant la CAN, l'Algérie, entre guillemets, était prévue de terminer deuxième, aurait donc dû jouer le Maroc en quart de finale, d'où le fait que les gens disaient qu'un quart de finale serait plutôt bien pour les Algériens parce que le Maroc était censé être en avance dans son processus. Bien sûr, mais après, la vérité d'une avant-compétition n'est jamais la vérité du tournoi. Il faut rendre hommage à cette équipe, il faut rendre hommage à Belmadi qui fait du super taf. Maintenant, encore une fois, on fera le bilan à la fin parce que arriver jusque-là, maintenant, il faut aller la gagner. Une finale reste une finale, mais philosophique. Tant dans l'aspect mental, dans le dépassement de soi, dans le dépassement de fonction, dans tout ce que dégage ce groupe, parce qu'on se rappelle du match contre la Tanzanie où il a fait ouvrir son banc et il y a beaucoup de joueurs de Boudaoui, Aouna, Sarandi Delors, Aslimani qui ont répondu présent. C'est vraiment une vraie aventure et je parlais de l'image tout à l'heure, moi qui m'a vraiment choqué, qui m'a vraiment marqué sur le coup franc de Marez où j'ai vraiment vu une bande de potes parler à Belmadi en lui disant, en parlant, tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose, qu'il a vraiment fédéré quelque chose autour de lui. Et on avait beaucoup de débats, notamment avec l'équipe de France l'année dernière, sur le jeu, sur ce que dégageait cette équipe, si on s'y reconnaissait ou pas. Il y avait la victoire, oui, mais à côté, etc. Là, moi, clairement, je vibre pour cette équipe d'Algérie parce qu'il se passe quelque chose. Quand tu vois Benacer sur le terrain, quand tu vois Feghouli, quand tu vois Belaïli, ces mecs-là jouent ensemble avec un jeu quand même alléchant, un jeu spectaculaire, avec beaucoup de buts depuis le début de la compétition. Et oui, et avec des adversaires qui sont quand même sont des gros calibres sur le continent. Et encore une fois, c'est pas pour minimiser le parcours du Sénégal, mais tu n'as pas battu l'Ouganda, tu n'as pas battu le Bénin. Moi, sincèrement, je le disais, je me suis même peut-être fait un peu allumer à juste titre sur quelques débats, quelques émissions où je voyais l'Algérie pas favori contre la Côte d'Ivoire, pas favori contre le Nigeria, et ils ont réussi à me faire mentir. Donc bravo à eux dans des conditions et dans des scénarios quand même. Le scénario de la Côte d'Ivoire, c'est fou. Le scénario de ce soir, c'est fou. C'est des choses qui marquent et qui vont marquer. Clairement,
clairement. Et tout ça fait que le parcours est, il faut qu'il se termine de façon glorieuse, mais qu'il y ait victoire ou pas, ils ont marqué de leur empreinte la CAN 2019. On peut apporter une nuance et apporter un peu d'inquiétude à tous les propos que tu viens de apporte. Je vais apporter. Pas, regarde la question du soir justement qui va me servir justement à apporter le mieux possible ce que je cherche à dire. Est-ce que l'Algérie, il restera quand même assez de ressources pour jouer cette finale? Parce que c'est vrai que Bilal, que tout ce que vient de dire Walid, on le remarque, on l'a vraiment évoqué à chaque débrief, cette création de quelque chose avec Belmadi. Néanmoins, on a peur du petit retour de bâton, entre guillemets. C'est-à-dire, on parle de parcours de champion, de chance un peu de champion aussi. Pénalty de Seredi, le coup franc de Mahrez, voilà, c'est des émotions et des événements dans les dernières secondes qui ont leur importance. Néanmoins, voilà, il y a eu 120 minutes contre la Côte d'Ivoire. Ce soir encore, émotionnellement, c'est un scénario qui émousse un peu. On voit peu de changements dans le 11. On voit des joueurs qui commencent à tirer la langue. Voilà, qui commencent à tirer la langue. On a 2-3 noms en tête tous ici, je pense, sur le plateau. On se dit, est-ce que ça peut pas leur revenir en pleine tronche, entre guillemets, pour être un peu vulgaire? C'est possible. Je pense que l'aspect principal qui pourra déranger cette équipe d'Algérie avant de parler du Sénégal, c'est l'aspect physique et la récupération. Pour ça, il y a des pour et des contre, et je vais essayer d'énumérer les arguments qui attendent l'Algérie pour cette finale. Si on part du côté négatif, il y a eu peu de changements sur ce match. On a vu Guédioura avec des crampes. On a vu aussi des blessures physiques avant ce match où Feghouli était incertain. Il y a eu la blessure d'Atal aussi qui est survenue un peu plus tôt. Et Benacer également qui était strappé pendant ce match. Donc ça, c'est inquiétant. Il y a aussi de l'autre côté, on en parlait tout à l'heure avec Oumar, mais la finale est dans une semaine. Ça laisse du temps pour récupérer. L'Algérie a aussi un banc et Belmadi a toujours fait en sorte de placer ses titulaires et ses remplaçants quasiment au même niveau de concurrence. Donc on peut aussi, pourquoi pas, imaginer des changements pour cette finale. En tout cas, si jamais il y est obligé, mais en tout cas, il y a assez de temps pour au moins récupérer, reprendre des forces. Peut-être un peu moins que le Sénégal, mais il y a ce temps-là. Après, cette finale, Walid parlait tout à l'heure du parcours. On a eu un débat, je ne sais pas si tu te souviens, en début de CAN, sur une déclaration de Belmadi, oui, un peu en off. On disait, est-ce que c'était important ou prématuré de fixer un objectif qui est de gagner la CAN? Et je pense que le scénario que Belmadi a décidé d'écrire, il est en train de le valider. Et s'il ne l'avait pas fait au préalable, il n'aurait jamais mis les joueurs dans ces conditions-là pour aller gagner ce titre-là. Qu'est-ce qu'il va leur dire, Belmadi? Vous êtes à un pas de l'histoire et vous êtes à un pas de l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour ça que c'était super important de fixer un objectif, parce que si l'objectif ça avait été les demi, t'abordes comment cette finale? Si dès le début tu t'es dit demi c'est réussi. Lui non, Belmadi a conditionné ses joueurs mentalement. Ils sont pas comportés en petite équipe quoi. Gagner la compétition, ils ont jamais regardé l'adversaire, ils ont jamais. Le tournoi est terminé. Ils ont jamais, voilà, c'est l'objectif, c'est de terminer le tournoi en ramenant la coupe à la maison. Donc sur l'aspect psychologique, il y a pas de crainte à avoir sur Jibou, cette équipe. Jibou la coupe à la maison. Il y a pas de crainte à avoir. On l'a vu. Pas bonheur cette chanson, j'ai l'impression. Celui qui la chante. Ça a très bien marché. Il y en a d'autres. Je te ferai une playlist. Ah, il y en a d'autres qui l'ont repris. Non, il y a d'autres sons qui ont mieux marché, je te ferai une playlist. Ah ok, ça marche, avec plaisir. À la mode, celle-là, ça a été un peu plus repris en France parce que c'était une parodie. C'est une parodie. Mais en ce moment, il y a des sons qui bougent bien. Et voilà. DJ Bilal sur le dancefloor. Au niveau mental, l'Algérie part avec un avantage. Le Sénégal ne va pas affronter la même équipe d'Algérie qu'elle a affrontée en phase de poule, c'est important de le signaler. Ils ne vont pas l'affronter dans les mêmes conditions. Alors peut-être qu'ils vont affronter une équipe qu'ils connaissent mieux, le Sénégal. Mais au-delà de ça, ils vont affronter une équipe qui a fait son apprentissage. L'Algérie, elle est en réussite et apprentissage. C'est un peu les deux qui se passent parce qu'elle découvre des situations qu'elle gère bien. Et au final, c'est des situations qu'elle n'a jamais vécues. Donc là, elle va arriver face à un finaliste qui lui aussi n'a jamais vécu de finale depuis très longtemps. Qui lui aussi va découvrir les choses et qui va avoir en face de lui une équipe d'Algérie qui est passée par les pires épreuves. Est-ce que ça va servir ou pas? La question est posée, mais en tout cas, c'est un peu les arguments qui vont ressortir. Tu parlais des déclarations de Belmadi. Regarde Najim, justement, il a réagi, l'entraîneur, le sélectionneur plutôt algérien. Le match a été difficile à cause de la qualité de l'adversaire et à cause du quart de finale en seconde période. Nous avons fléchi, les joueurs ont montré une grande attitude et ont été forts mentalement. C'est important ce qu'il dit. Après, le pénalty, c'est important ce qu'il dit parce que il le dit, physiquement, c'est compliqué, ça commence à tirer un peu sur la corde. Mais finalement, c'est là, et sur le chat, c'est ce que nous disent les sociaux. Il y a Algérien, il y a quelques instants sur le chat, qui me disait, oui, c'est assez simple, pour le coup, on sait qui le supporte, qui nous disait il y a quelques instants sur le chat, cette finale. Attention, peut-être que c'est un agent double, hein.
Oui. Peut-être que c'est un supporter sénégalais qui veut te. Non, puisqu'il est. qui veut t'amener dans son supporter. C'est un supporter assez régulier algérien qui est avec nous assez souvent. Donc je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Okay. Qui nous disait, voilà, finalement, cette finale, elle se jouera beaucoup plus dans la tête, dans la hargne, parce que le seul objectif, ce sera ramener la coupe à la maison, sans mauvaise référence. Parce que c'est, y a plus que ça qui compte finalement. Et même physiquement, on va tout oublier pendant 90 minutes. Quoi. C'est clair. C'est une interrogation déjà qu'on avait avant le match face à la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, on se demandait, est-ce que si l'Algérie concède un but, comment ils vont réagir à ce but concédé? Finalement, face à la Côte d'Ivoire, ils ont montré qu'ils étaient capables d'avoir ces ressources mentales, de revenir dans le match, de ne pas céder et d'avoir le même état d'esprit et de garder cette même ligne conductrice, ce même plan de jeu. Oui. Finalement, je manque de salive. T'as beaucoup crié dans le match. Hein, c'est ça, exactement. Et sur la demi-finale face au Nigeria, c'est la même chose. L'Algérie concède un but et finalement, et c'est Walid qui le disait tout à l'heure, sur les 5 dernières minutes, on a vu une équipe qui voulait aller chercher ce deuxième but, qui ne voulait pas attendre la prolongation. Spéculer le résultat. Et donc finalement, ils ont montré qu'ils avaient des ressources mentales. Après, pour faire l'avocat du diable par rapport à ce que disait Bilal, c'est que le Sénégal va avoir aussi un supplément d'âme dans le sens où ils vont avoir peut-être ce sentiment de revanche en se disant, tiens, on a perdu face à eux lors de la phase de groupe, on va essayer d'aller les chercher dans cette finale. Ouais. Voilà, sur cette finale. Et je voulais dire un autre truc, sauf que j'ai oublié, je reviendrai dessus. Ce qui est important, parce que si l'Algérie bat quand même deux fois le Sénégal dans la même canne, c'est très costaud. Mais ce qui est aussi important à dire, c'est une Grèce 2004. C'est vrai, t'as raison, Sam, parce que c'est dur en fait de se projeter très très rapidement sur le match contre le Sénégal, parce que déjà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce soir, dans des conditions et dans des émotions extraordinaires, c'est ça. On avait déjà cette question après la Côte d'Ivoire. Il faut aussi répéter aux socios que le match arrive vendredi. On est dimanche, ça laisse quand même la place à la récupération, au massage. Il y a 5 jours là. Exactement. Même. Ils ont un jour de repos de moins par rapport au quart de finale, par rapport aux Sénégalais avec les quarts de finale puisqu'ils avaient joué un jour plus tard. Mais là, ils ont 5 jours. 5 jours, c'est quand même assez conséquent. Moi, est-ce qu'en Coupe du Monde, est-ce qu'en finale, on a quand même 5 jours. Je crois que si je te dis pas de bêtises, il y a eu 4 jours, c'est France et c'est quand même une belle petite semaine de travail. Il va falloir ménager ceux qui sont un peu, fébriles physiquement. Je pense à Guedjura, je pense à Feghouli qui commence. Je pense que ce soir, si c'était pas une demi-finale de la CAN, si c'était un match de championnat, il l'aurait pas joué parce qu'il était pas à 100% et ça se voyait, même s'il a tout donné. La même chose pour Bennacer qui a été au-delà de lui-même sur la rencontre et on l'a vu, hein, il est strappé comme pas possible. Tous les petits bobos, il va falloir les gérer. Maintenant, ce qui est intéressant à dire par rapport au Sénégal, c'est que autant le match, le deuxième match, c'est Belmadi qui s'est adapté au Sénégal en se disant, ok, c'est le favori. En rappelant que le Sénégal n'avait pas à l'époque Galagay, Salif Sani, ils n'ont juste pas Koulibaly. On peut retirer le juste. Ils n'ont juste pas l'un des meilleurs défenseurs du monde. On peut retirer le juste. Mais pour revenir là-dessus, c'est que Belmadi devait s'adapter à Aliou Cissé pour contrecarrer cette équipe du Sénégal qui était favori. Là, moi, je pense que ça va être le contraire. C'est-à-dire que aujourd'hui, Aliou Cissé a vu toutes les qualités et les petites lacunes de l'Algérie depuis le début de la compétition. Ils ont complètement changé de statut et là, il va falloir qu'il impose une donnée complètement différente. Est-ce que Belmadi va gérer tactiquement? On l'a vu que ce soir, ça passe du bon côté, mais je l'ai vu beaucoup à un moment donné parler avec ses adjoints. Qu'est-ce que je fais? Qui je sors? Est-ce que j'apporte du sang frais, du sang neuf? Bon, ce soir, ça paye. Pas de changement d'ailleurs. Exactement, pas de changement qui à un moment donné, moi, je me suis dit, c'est quand même un peu étonnant, notamment sur des joueurs qui commençaient à tirer la langue. Tous ces paramètres-là vont être hyper important à prendre en compte, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette dedans demain, après-demain, dans 3 jours. Là, ce soir, c'est quand même assez tôt. Il faut féliciter les gars qui ont fait une grosse performance. Le dernier point. Il a retrouvé en fait. Il a. C'est Elton Mokolo. C'est 10 minutes après. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Tu veux sur Sénégal? Tu veux qu'on revienne sur Sénégal sur la Bénin? Non. Ça allait dans la continuité de ce que disait Walid. Il a un truc à dire sur le Bénin. Pour répondre sur l'Ouganda, sur Adjani Tanzanie. Non mais en gros, pour répondre aussi un peu à la question, ça va aussi dépendre un petit peu de l'intensité physique que va apporter le Sénégal, parce qu'aujourd'hui on a quand même eu une équipe du Nigeria qui a mis assez peu d'intensité dans le camp algérien. Ils attendaient que l'Algérie passe la ligne médiane pour aller presser les joueurs algériens en contre-attaque. Voilà, exactement. Et donc dans le défi physique, on n'a pas eu un défi physique énorme comme on aurait pu l'attendre. On n'a pas eu un défi aussi important que contre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais c'est vrai. Et donc c'est là où je voulais en venir, dans le sens où le Sénégal, ça va, on va voir un petit peu quels défis physiques ils vont apporter à cette équipe algérienne. C'est comme ça. Le pressing peut
ça peut être difficile pour l'équipe algérienne. C'est comme ça que Belmadi avait piégé le Sénégal au premier match, avec un défi physique important, avec aussi les ailes bloquées, qui est quand même un des gros points forts de cette équipe du Sénégal. C'est intéressant ce que dit Walid sur le duel tactique qu'il va y avoir entre les deux, parce qu'on avait reproché à Lucissé de ne pas avoir travaillé sur les faiblesses algériennes et de s'être comporté comme un favori, c'est-à-dire avec son plan de base. Belmadi ayant bloqué ses forces, il n'avait plus derrière, il n'avait pas assez de données sur l'équipe algérienne pour apporter autre chose. Maintenant, les défauts de l'Algérie, on les connaît aussi un peu, les défauts au milieu de terrain, parfois les tâtonnements qui peut y avoir sur certains aspects du jeu, sur les temps faibles. Donc ça va être intéressant aussi de savoir comment les deux coachs vont fonctionner. Sur Belmadi, on parlait de son immobilisme, mais bon, je pense qu'il y a aussi, moi je me posais la question pendant le match si c'était pas pour préserver aussi l'équilibre intégral de son équipe. C'est assez compliqué, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'au final, t'as un collectif qui dépend beaucoup des interconnexions, et au final, si tu sors quelqu'un, t'auras peut-être une plus-value, une fraîcheur physique et une plus-value physique sur l'individu, mais est-ce que t'auras la même entente avec les joueurs, est-ce que t'auras les mêmes automatismes de compensation, est-ce que Mehdi Abed, s'il rentre, est-ce qu'il aura les mêmes réflexes pour aller compenser une montée de Ben Sebaïni? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir, et je pense qu'il faudra du temps à Belmadi pour dégager une deuxième équipe type, entre guillemets, ou en tout cas. Et ça, ce sera sûrement du post-can. Ça sera plus du post-can, je pense. Elle doit composer en tout cas avec la réalité de la compétition. Mais ce qui va être intéressant dans l'opposition de style entre les deux équipes, c'est qu'on a une équipe du Sénégal qui gagne sans la manière depuis le début de la compétition, qui est là pour gagner. C'est la réalité, encore une fois. Si vous voulez, on dit que le Sénégal c'est flamboyant dans le jeu et que c'est extraordinaire depuis le début de la compétition. C'est pour faire plaisir à tout le monde. Mais clairement, on a une opposition de style depuis le début de la compétition. C'est-à-dire qu'on a une équipe quand même qui est portée vers l'avant, qui a quand même des certitudes au milieu terrain, où il y a des schémas de passe entre les latéraux et les ailiers, des combinaisons avec les numéros 9, où c'est quand même assez léché côté Algérie, où on envoie du spectacle en gagnant. Et de l'autre côté, on a une équipe du Sénégal qui a eu un tableau un peu plus abordable, mais qui est là pour gagner, qui va imposer un gros combat physique, qui va essayer de mettre en danger cette équipe de l'Algérie avec des individualités qui peuvent le faire. Et c'est vrai que cette affiche là, on a une grosse affiche sur le terrain en termes d'opposition de style, et sur les bancs vendredi, ça va vraiment envoyer du bois, et ça va être hyper intéressant à suivre, parce que ça peut récompenser un groupe qui le veut depuis pas mal de temps. Allez, c'est vrai que l'approche, l'approche des deux équipes est extrêmement différente. On est une équipe du Sénégal qui essaye vraiment de s'imposer dans le camp adverse et de jouer un peu sur attaque placée, tandis que l'Algérie, on le voit au niveau des possessions de balles, généralement c'est des possessions de balles plutôt équilibrées, et généralement ils ont 50-51% de possession de balles, pas plus. C'est une équipe qui généralement joue un peu bloc médian et essaye ensuite d'aller chercher dans le dos de la défense adverse. Donc ça va être intéressant vraiment de voir cette opposition. Et on parlait juste très très rapidement de l'aspect mental. Les attentes au Sénégal sont aussi très fortes. Le Sénégal n'a jamais remporté la CAN, donc il y a ça aussi. Inscrire une première étoile à son maillot, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer également côté Sénégal. Effectivement, et ce sera une rencontre qu'on décryptera bien sûr dans le Club des 5 vendredi dès la fin du match, et surtout que vous pourrez suivre tous chez vous. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce match avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous d'ailleurs d'être très nombreux, les sociaux. Je m'excuse juste sur le chat parce qu'effectivement on a re-attiré 2-3 personnes qui ne viennent pas pour parler de foot, donc c'est dommage. Ils se sont trompés d'adresse, je m'en excuse. Mais il y a beaucoup de choses qui se payent du chat. Il y a bien des modérateurs, il y en a qui demandent. Oui, il y a des modérateurs, malheureusement vous êtes plus 2200 avec nous, donc forcément il y a beaucoup de commentaires. On essaye de réguler au maximum et de virer tous les gens qui ne méritent pas d'être parmi nous. On essaye de faire le ménage, les gens, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours 2-3 imbéciles pour cacher la fête. Exactement, c'est exactement pareil. C'est les mêmes personnes, c'est des brebis égarées qui profitent de la joie des autres pour venir nous casser les couilles. donc continuez les sociaux. Mais qu'elle soit pas. Après, les mecs disent, mais pourquoi mais il a quel âge? Il a 23 ans, c'est un vrai papa. Côté, comment il les gère, les sociaux, un peu? Non, mais ce que j'aimerais dire, ça ressemble jamais le Belmadi du chat. C'est ça. Je prends ça comme un compliment. Tu vas pas plus loin que ça. Cette insulte là, tu vas pas plus loin que ça. J'ai insulté personne, si c'était agaçant d'une manière pas très cordiale. Non, mais juste, je voudrais rassurer ceux qui veulent quitter le chat parce que justement ils voient des choses qui leur plaît pas. Restez les amis. Moi je vois bien sûr tous les commentaires qui parlent de foot, qui nous parlent des matchs, donc continuez les amis à rester, à parler de foot. Le reste on s'en fout. On va parler, alors juste j'aimerais vous montrer une dernière stat sur l'Algérie avant de passer au Nigeria. C'est une stat sur l'attaque algérienne, parce qu'on tout à l'heure
l'heure, ceux qui nous ont suivis dans l'émission sénégalaise ont montré que depuis 4 matchs, le Sénégal n'avait pas encaissé de but dans cette compétition, justement depuis qu'ils avaient affronté l'Algérie. Et vous le voyez que l'Algérie, ils ont des arguments pour répondre à ça, puisqu'ils ont inscrit 12 buts dans cette CAN, personne ne fait mieux depuis l'Égypte en 2010. On rappelle que l'Égypte, à l'époque, avait remporté la compétition. Donc voilà. Ça fait 2 buts par match. Ça fait 2 buts par match, effectivement. Najim Medini, avec 12, un super sub. 12 divisé en 6. Voilà, on a Cédric Villani sur le plateau. Donc sur la finale, on aura la meilleure attaque du tournoi et la meilleure défense. La meilleure défense, je sais pas. Si, c'est Sénégal. Je pense avec aussi. Un but. Avec un but. Oui, l'Algérie, on a 2. On en a 2, effectivement, avec ce soir. Donc effectivement, c'est. Une vraie opposition de style. Voilà. Et je vois un socio qui me demande, c'est Noodle, si on ne parle pas de la Tunisie. On a fait une première émission. Il est prêt. Il est prêt. Sénégal-Tunisie. J'ai vu qu'il est prêt sur le replay. Est prêt. Pourquoi ? Bah sur la chaîne YouTube, il est prêt, donc il peut aller le voir s'il veut. Oui, pourquoi ? C'est quoi la vanne ? Mais non, c'est pas vrai. Non, parce que t'as vu, il avait un sourire, tu connais, un sourire marqué. Donc les socios. T'es puisque en effet tu le connais, genre en gros, je. Tu sais, les mecs, Tu connais ce qu'il fait, le replay, il le fait tout le temps. Les socios qui veulent suivre bien sûr le replay de Sénégal, la Tunisie, il est déjà dispo sur la chaîne Le Club des 5, n'hésitez pas à y aller. Allez, on va parler de l'autre. De l'adversaire du soir, plutôt des Algériens, l'autre qualifié entre guillemets pour la troisième place. Je ne sais pas si on peut dire qualifié d'ailleurs pour la troisième place. L'autre participant. Reversé pour le match de la troisième place qui aura lieu mercredi. Et là encore, il y aura un débrief bien sûr dans le Club des 5, ne vous inquiétez pas. Le Nigeria donc éliminé dans les derniers instants. C'est un scénario quand même un peu à l'image de la Tunisie cet après-midi, assez cruel, même si là c'est un coup franc qui est bien marqué par l'Algérien. Il n'est pas dévié par un joueur tunisien dans son propre but. Voilà, scénario assez cruel parce que, comme on l'a dit déjà tout à l'heure dans le débrief de match, Bilal, c'est le Nigeria. Ils ont su, dans ce match où ils étaient en difficulté, revenir au score, obtenir ce penalty, mettre en danger les Algériens. On s'est dit à un moment donné que leur plan pouvait fonctionner. On savait très bien que l'idée c'était d'aller jusqu'au moment où les Fenech allaient rompre. Ouais, c'est vrai qu'elle est très bizarre, cette équipe à analyser, si on reprend un peu le spectre de toute la compétition. C'est une grosse cylindrée qui a ronronné finalement pendant toute la compétition, avec de grosses individualités, avec une capacité, j'allais pas dire avec facilité, mais c'est presque ça, à élever son niveau, à montrer parfois à l'adversaire qu'il est supérieur. Ça a été le cas pendant pas mal de matchs sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense aussi contre l'Afrique du Sud, où on s'attendait déjà à une surprise sud-africaine et un Nigeria plus en difficulté. Non, ils ont jusque-là maîtrisé. Il y a eu ce faux pas contre Madagascar qui est venu rappeler qu'il y avait des lacunes dans cette équipe nigériane. Et au final, ça donne une CAN assez plate, parce qu'ils ont montré leurs arguments offensifs, ils ont fait preuve de puissance, mais derrière, ils n'ont pas été non plus concernés que ça. On n'a pas eu un supplément d'âme important. Moi, j'ai senti par exemple la Côte d'Ivoire beaucoup plus limitée, mais qui a donné ce sentiment de vouloir aller chercher quelque chose, de vouloir aller chercher un titre. Moi, j'ai eu du mal à situer sur l'impact et sur la volonté d'aller au bout cette équipe nigériane sur la compétition. Sur ce match-là contre l'Algérie, clairement, ils ont été en dessous. En première mi-temps, on voyait bien que la défense nigériane était assez fébrile et qu'ils n'arrivaient pas à relancer le ballon. Et puis devant, on l'a assez dit, ça manque de variété dans les profils. Beaucoup de joueurs capables de prendre de vitesse, d'accélérer le jeu. Mais finalement, peu de créateurs, peu de changements d'aile, peu de changements de direction. Iwobi, on l'a vu sur un poste de 10, il apporte ce qu'il est capable d'apporter sur un côté, c'est-à-dire des temps de percussion. Mais au final, le Nigeria a besoin d'autre chose. Là, on l'a bien vu. On l'a bien vu quand il s'agissait d'aller prendre dans le dos Guedjura, ça allait. Mais derrière, sur attaque placée, il avait le ballon entre les jambes, il y avait souvent un cafouillage côté algérien et le ballon était récupéré même rapidement. C'est trop long, donc, c'est trop long dans les transitions. Cette équipe de Nigeria, moi j'ai un souci par rapport à son implication. J'avais suivi avec attention les propos de Gernot Rohr sur la conférence de presse. J'ai senti, je me trompe peut-être, mais une certaine forme peut-être de suffisance où il expliquait, oui c'est vrai l'Algérie, on les a joués en 2016, c'était très faible, maintenant ils sont un peu mieux, etc. On sentait que, je sais pas, je les ai pas sentis très inquiétés, il y avait pas vraiment beaucoup de motivation. On a beaucoup parlé des sommes d'argent qui avaient été données par les oligarques nigériens, où moi j'ai un ami qui me disait, tu sais Bilal, ils leur ont donné le double d'une grosse prime de match, c'est 50 000 euros par but, ils ont dit, ouais, voilà, énormément d'argent. Et tu sais, j'ai regardé mon pote, 50 000 euros par but. Non mais je lui ai dit, mais gros, à partir du moment, je l'appelle gros, voilà, je me permets, d'accord. Je lui dis, à partir du moment où on est obligé de proposer de l'argent pour motiver une équipe, c'est qu'il y a du souci à se faire, et qu'à l'inverse, si tu avais proposé une somme d'argent à l'équipe algérienne, ils auraient refusé tellement ils étaient conditionnés à l'emporter. Je pense que dans l'attitude, dans la mentalité, il y a eu des limites côté nigérien, et dans le jeu, ça n'a pas été éblouissant.
Ils auraient refusé. Ils ont pas besoin. Ouais, de genre, moi, j'aurais pas refusé. Quand t'es la meilleure attaque de la compétition, si on top 50 000, ils auraient peut-être pas refusé, mais en tout cas, la fédé algérienne a un beau taux de rentabilité, vu qu'elle n'a pas à motiver ses troupes pour lui donner. Sur ça, je sais pas ce qu'on aurait pu donner de plus Fégouli pour avoir. Sur ça, oui, c'est bon. Sur ça, au moins, le contrat est rempli. Le Nigeria, moi, je les voyais comme une bonne surprise de la CAN au tout début, qu'on avait fait l'émission ensemble juste avant le début de la CAN. Ils n'avaient pas disputé la CAN depuis qu'ils l'avaient remportée en 2013. C'est ça. Finalement, au niveau du résultat, ça reste quand même plutôt une bonne CAN. Franchement, qu'ils atteignent les demi-finales, on n'aurait pas. C'est un mondialiste, donc ils finissent parmi les 4 meilleures équipes africaines de la compétition. Ils avaient fait une bonne coupe du monde. Ils avaient fait une coupe du monde un peu. Voilà. Le match contre l'Argentine. Non, c'était moyen quand même. La Croatie, je me souviens. Vous rappelez, c'est le match contre l'Argentine, ils relancent tout. Ils gagnent contre l'Islande. Ouais, c'est l'Islande. L'Argentine, s'il n'y a pas Mercado, c'est qualifié. C'était Mifik Mirezin. Deux matchs sur trois. Mifik Mirezin contre le finaliste. Franchement, c'était Mifik Mirezin. Cette équipe d'Argentine, c'était possible de défendre. C'était plus raisin. Mais finalement, sinon pour revenir sur les Nigériens, je les ai trouvés aujourd'hui. Ce qui m'a un petit peu étonné, c'était ce manque de pressing. En fait, on avait une équipe du Nigeria qui était installée dans leur camp et qui a fait très très peu de pressing, qui n'a pas essayé d'aller chercher cette équipe algérienne. Ça, j'ai trouvé ça quand même étonnant. Ils attendaient juste que l'équipe algérienne passe la ligne médiane pour amorcer un pressing qui n'était pas si intense que ça. Et donc c'est surtout sur l'aspect sans ballon que le Nigeria m'a un petit peu étonné, parce que je les ai trouvés franchement pas impressionnants. Et puis ensuite, offensivement, et c'est Bilal qui le disait, ils ont des profils pour aller prendre la profondeur, mais même dans la profondeur, ils n'ont pas forcément inquiété la défense algérienne. Après, on a vu aussi par exemple un Mehdi Séfane qui a fait un super match. Il savait très bien que ça pouvait partir dans son dos, donc parfois il n'hésitait pas à rester il avait des consignes de pas avancer. Comme Atal en avait aussi, exactement. Mais c'est vrai que finalement côté Nigeria, ils ont pas été dangereux avec leur qualité. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on l'avait dit contre le Cameroun, la force avait été la connexion Igalo Iwobi. Contre l'Afrique du Sud, la force, en tout cas le danger, est venu de Moussa et Chukwueze. Là, ce soir, finalement, le danger est... Mais il n'y a pas de danger. Voilà. Il n'y a pas de danger. Je voulais pas le dire. Non, mais pour être très honnête. Assume tes propos. Non, mais clairement, même la première mi-temps, j'ai trouvé que Etebo Ndidi, qui m'avait vraiment enthousiasmé sur le début de la compétition, notamment la deuxième mi-temps contre le Cameroun, ils ont été mangés dans l'intensité. Il y a 2-3 ballons qui ont été grattés, mais ils ont été en difficulté parce qu'ils ont toujours été en supériorité numérique au milieu de terrain. Et ça, on ne l'a pas dit, mais Iwobi était vraiment décalé. Et on avait un double pivot avec Benacer, Fegouli et Guedjura, qui, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils avaient une solution supplémentaire, parce que tu avais soit Marez qui revenait dans l'axe, soit Benacer qui revenait dans l'axe, dont tu avais à chaque fois une solution en plus, et ils ont été complètement pris dans les taux, ils ont été en difficulté sur les côtés. Je suis désolé, mais quand tu as Ahmed Moussa et Chukwueze face à Ben Sebaini et Zéphane, et que tu les mets pas en danger pendant 90 minutes, c'est quand même un problème, c'est quand même problématique. Quand tu as des joueurs en 1 contre 1 qui doivent être à chaque fois dans la percussion et qu'ils n'ont pas. Moi, encore Moussa, que ce soit contre la Guinée, que ce soit contre Madagascar, que ce soit contre le Cameroun ou même contre l'Afrique du Sud, le mec a eu beaucoup de déchets dans le dernier geste, mais il est souvent passé en 1 contre 1. Là, ce soir, je ne l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas vu faire de différence. Et ça passe énormément sur les côtés, le jeu du Nigeria, pour essayer de capitaliser sur la force de Igalo. Igalo a bien été pris par Ben Lamri, sauf en fin de première mi-temps, juste avant le but, où il est un peu aspiré, mais à ce moment-là, il fait le mauvais choix dans sa surface de pied et il n'est pas efficace. Donc clairement, comme l'a dit Bilal en introduction, moi, j'ai du mal à vraiment analyser, avoir un avis tranché sur cette équipe. Je sais pas si c'est Gerlo Tror et ses choix. On avait parlé d'Obi Mikel au premier match en numéro 10. Là, Iwobi, il s'est entêté, alors que moi, je pense, et je l'ai toujours dit, que Moussa, son meilleur poste, c'est en 9,5, et de mettre Iwobi à son vrai poste. Et pour moi, les deux jouent contre nature. Gerlo Tror, faut pas l'oublier, mais vous connaissez mieux le contexte africain que moi, mais c'est sa première demi-finale en Coupe d'Afrique des Nations, il me semble. Je me demande si c'est pas son premier face à l'élimination directe. Voilà, donc moi, on me dit il connaît bien le continent. J'ai une connerie, il a fait avec le Gabon en 2012. Voilà, mais ce genre de rendez-vous, lui aussi, il découvre. Est-ce qu'il a vraiment le talent tactiquement pour essayer d'amener en haut cette équipe? Moi, j'ai mis quelques doutes, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas une déception. Mais ce soir, tu vois le match, tu dis tu joues une équipe d'Algérie qui n'avait pas de grandes ambitions avant la compétition, tu es quand même assez frustré de ne pas faire finale. Quoi. C'est vrai que Gernot Rohr, son plan, il a été. Encore une fois, je renvoie à la conférence de presse, parce que c'est les seuls moments où on a un peu de.
de billes concernant les latitudes et les choix des coachs. C'est vrai que on a du mal à sentir son plan de jeu et surtout son plan B, parce que Ahmed Moussa, tu parlais tout à l'heure des 1 contre 1, moi ce que je remarquais aussi beaucoup, c'est les problèmes de transmission, c'est-à-dire que le ballon lui arrivait souvent trop long, ça sortait en touche, mais Dizéphane se retrouvait finalement avec un rôle un peu plus simple à gérer, dans le sens où il accompagnait seulement les courses de Moussa, et le ballon souvent arrivait soit trop tôt, soit trop tard, et derrière, c'est... Avant de parler des ailiers, c'est avant tout de savoir comment le ballon leur arrive. Est-ce qu'il leur arrive dans les meilleures conditions ? Je pense pas. Et puis, Igalo, pour pas paraphraser, clairement, le duel mental, il a été gagné par Ben Lamri très vite. Il y a eu des échanges de coups, il y a eu des petites provocations qu'il peut avoir, comme on a vu avec Zaha et Ben Sebaïni sur le match précédent. C'est classique entre un défenseur et son attaquant. Et là, clairement, il a été mangé de toutes pièces. Et défensivement, sincèrement, les deux défenseurs centraux, waouh ! En termes de fébrilité, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, t'avais très 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 peur de ce qu'ils allaient faire. Bounedjah leur a mis une pression, parce qu'on n'a pas parlé du match de Bounedjah, qui n'a pas été bon dans l'efficacité, mais mon Dieu, ce qu'il a fait du bien au collectif et dans le premier pressing. D'ailleurs, ce qui explique ça. Et dans le premier pressing, et ils ont vécu un enfer pendant 90 minutes. À chaque fois, les mecs, ils étaient comme ça. J'avais l'impression que c'était une patate chaude le ballon, que ça soit Collins et comment il s'appelle et Ekong. Et c'est comme ça qui prennent le premier but, et c'est comme ça qu'ils sont en danger en deuxième mi-temps. Donc clairement, c'est le match du Nigeria, et c'est pour ça que pour moi je trouve ça plutôt mérité, la qualification de l'Algérie. Comme tu l'as dit, Sam, ils auraient pu emmener dans une prolongation avec une gestion des émotions, un momentum qui change, etc. Mais sinon globalement, ce soir tu es déçu. Réaction d'Eladj sur le chat qui nous dit une équipe très... C'est l'humoriste Eladj. Il y a un humoriste Eladj. Oui, ce commun. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Eladj. Eladj aussi. Eladj, c'est un titre. Hein, pour je le demande, coup. Je demande. On t'appellera peut-être un jour Eladj. Une équipe, on l'espère. Hein, pour en même temps, il passe dans les stories des basketteurs à 2 millions. Hein, vous me l'apprenez. Eladj, c'est un titre. Ça veut dire le pèlerin. D'accord, ok, mais je pensais quoi que. C'est un prénom aussi. Ah, d'accord. Vous m'apprenez quelque chose. On peut dormir moins con, c'est bien aussi. Ça m'arrive tous les jours. Merci de m'insulter. Non, mais j'ai dit que ça. On maîtrise le japonais. J'ai vu que ça m'arrivait tous les jours, de coucher moins bête que le matin. Enfin, pas forcément tout le temps. Mais voilà, et donc du coup, il nous disait sur le chat, et là, j'ai perdu le commentaire, Wayne Achanchour. Il disait, voilà, équipe très prometteuse du Nigeria avec une jeunesse dorée. S'ils parviennent à la conserver en 2021 avec un peu de renfort, ils seront assez difficiles à manœuvrer pour la prochaine CAN. Donc on rappelle qu'il sera au Cameroun. C'est vrai qu'après le mondial, alors, je crois que la performance au mondial n'est pas ressentie de la même façon par tout le monde ici. Néanmoins, ça reste un mondial quand même intéressant, parce que ils ont quand même fait 3 points sur la compétition. Ils ont été en course jusqu'au dernier match contre l'Argentine de Lionel Messi quand même. Voilà, donc même c'est si qualifié à 75e, quoi. Même si moi je suis aussi d'avis que c'est vrai. Même si je la trouve décevante quand même. Même si moi je suis d'avis comme Nazim que j'étais plus enthousiasmé par 2014 que 2018. Il y a un 8e. Ça reste une Coupe du Monde qui a été intéressante pour le Nigeria dans une nouvelle dynamique qui est de plus en plus claire. Alors maintenant, voilà, on se pose la question un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir avec cette équipe? C'est vrai, Najim, quand on voit un petit peu un joueur comme Iwobi, par exemple, qui est en train de devenir un des porte-drapeaux de cette équipe, et ce qu'il y a autour, qui est plus ou moins vieux, Moussa, Igalo, c'est ça, la trentaine. Après, il y a Chukwueze. Moussa, c'est un peu moins de la trentaine. Moussa, c'est moins de la trentaine. Ouais, c'est à 27-28 ans, je pense. Ah ouais, je joue à FIFA 9. Je te redonnerai un peu plus. Moussa, de toute façon, Moussa, on nous est sur le chat. Il arrive à Leicester, je crois qu'il est. Moussa, qu'il a 29 ou 20. Moussa, donc. Peut-être que je me trompe. Je pensais. On va demander à la régie d'arbitrer. On va vérifier. On va vérifier. Je pense un peu plus jeune. Quand il était au CSK. Au CSK avec Honda Tozic, il avait déjà, je crois, 24 ans. C'était il y a 5-6 ans. Peut-être que je me trompe. Sur le chat, ils n'ont pas, mais ouais, non, à mon avis, c'est la trentaine. Peut-être. Mais il y a on se fait 26 ans à Amen Moussa. Merci beaucoup, mais non. Non, quand j'étais au CSKA Moscou, il avait quel âge? Il avait 16 ans. Il était très jeune encore. Il était très jeune. Mais non, t'as
Il voilà. est dans 92. Mais il a pas 26 ans s'il est dans 92. Je suis dans 92. J'ai, il va avoir 27 ans. Moi, j'avais dit 27-28 ans, donc j'étais. Il est plus jeune que moi. Écoutez, mec, je me coucherai mon con. Voilà. Moi aussi pour le coup. Donc, dans cette nouvelle génération. Donc, apparemment, il avait 29 ans quand il arrive à Leicester. Et donc, après, il a rajeuni. J'ai dit que c'était une bêtise. Je disais peut-être des bêtises. Non, il est bon, il est 19 ans en fait. Heureusement qu'il est pas toujours filmé hors antenne quand il se trompe sur les qualifications de l'Algérie. Il est bon. Amène Nouza, Iwobi, en porte-drapeau du coup de cette génération du futur. J'espère que t'as un argument solide sur la génération suivante. Igalo encore une ou deux compétitions. Voilà, on voit la moyenne d'âge, elle est de 24 ans. Non, mais Igalo, il a 22 ans. Igalo, par contre, il a 30 ans. Il a au moins 30 ans, ça, je vous l'assure. Attends, on va vérifier. Parce que j'ai quand même dit, je vous l'assure aussi. Je suis choqué, moi. On va vérifier. Igalo, je vous le confirme. Il a bien 30 ans, notre ami Igalo. Voilà, je ne dis pas que des bêtises non plus. Je sers aussi de temps en temps à quelque chose. Néanmoins, je le disais, voilà, Moussa et Iwobi en tant que porte-drapeau un petit peu de cette nouvelle génération, voilà, qui a 25 ans à peu près de moyenne d'âge. Il y a aussi Chukwueze, il y a Samuel Kalou, il y a des joueurs qui sont en train de débarquer, de s'intégrer dans cette équipe de Garnotroir qui commence aussi beaucoup à jouer dans des clubs européens. Hein. Beaucoup d'offensifs. C'est le souci, on se rappelle pendant les éliminatoires, ils jouaient dans un 3-5-2, mais c'était un vrai 3-5-2, mais vraiment 5-2, voilà, il y avait 5 offensifs et 2 attaquants, quoi. Donc c'était une équipe qui vraiment ne pâtissait pas tout sur la défense. Néanmoins, voilà, on se dit que ce qui a été montré, ce qui arrive, ça peut nous promettre une nouvelle génération intéressante côté Nigeria. Oui, bien sûr. Il y a peut-être ce manque un petit peu d'individualité défensivement. Ça peut peut-être être un petit bémol par rapport à cette équipe du Nigeria. Mais sinon, quand on regarde l'effectif, il y a à la fois des joueurs d'expérience, il y a à la fois aussi pas mal de jeunes joueurs. Tu en as parlé, notamment Chukwueze, Kalou, etc. Moi, franchement, quand j'ai vu cet effectif-là, je pensais vraiment qu'il pouvait aller vraiment loin dans cette canne en proposant du contenu. Ils ont réussi le fait d'arriver jusqu'en demi-finale. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Ils ont réussi à arriver en demi-finale au niveau du résultat. C'est très bien, mais au niveau du contenu, on reste un peu sur notre faim, comme on vient de l'expliquer. Et donc, je pense que ça va vraiment être là-dessus que le Nigeria va devoir passer un cap, parce que c'est bien beau d'avoir des individualités, mais il faut réussir surtout à créer un bon collectif entre tout ces éléments-là. Tout dépendra du coach qui restera, exactement. Du coach qui aura, si Garnotra restera. En tout cas, il y a une belle génération sur laquelle travailler et donc avoir un petit peu ce qu'ils vont en faire, mais il y a les éléments en tout cas pour faire quelque chose avec cette équipe du Nigeria. J'ai envie de dire que le fait d'avoir de nouveaux éléments assez jeunes, c'est un peu le propre de l'histoire du Nigeria. Ils se sont toujours distingués sur les Coupes du Monde jeunes, sur les Coupes d'Afrique de jeunes, en sortant toujours. On se rappelle de la victoire. Avec la génération Okocha Kanou. Donc il y a toujours les mêmes ingrédients. Ils sortent à chaque fois des jeunes de la fabrique qui sont souvent très bons. Ces jeunes-là, bizarrement, ont souvent le même profil, c'est-à-dire des mecs assez à l'aise avec le ballon, plutôt offensif que défensif, et capables de faire des différences et de jouer leurs cartes dans de gros clubs. Maintenant, ça va passer évidemment par une variété de profils, vous avez raison, essayer de retrouver la même qualité défensivement qu'offensivement. Ça va aussi passer par la progression en club de ces joueurs-là. Iwobi à Arsenal, faut voir aussi où sa carrière va l'emmener. C'est pas un joueur qui a non plus explosé depuis le début de sa carrière. On en a dit beaucoup de bien pendant un temps, mais là, on se rend compte qu'c'est plus un joueur de rotation, qu'il a certaines qualités qu'il peut apporter dans le 11 d'Arsenal, mais que ça reste pas un joueur qui est un top player, qui est un joueur qui a été mis en avant. Donc ça aussi, c'est à remettre en perspective. Moussa qui lui aussi, après être passé en Russie, a atterri en Angleterre, et on se disait c'est peut-être bien pour lui, et finalement ça a pas si bien marché que ça. Il est où maintenant, Moussa? J'ai un doute. Il est parti de Leicester, il est plus à Leicester. Je te jure que j'ai un gros doute. Tu nous recherches le club actuel de Moussa, mais en Chine. Elle est toujours ouverte, la page. Il me semble qu'il est dans les pays du Golfe, Ahmed Moussa, si je dis pas de bêtises. Peut-être. Il me semble qu'il est dans les pays du Golfe, mais en tout cas, sa carrière en Europe. C'est pour ça qu'on pensait qu'il était un peu plus vieux. Sa carrière en Europe a tourné court, et ça aussi, c'est un élément important. Et Thébo aussi, qui était parti de. Il joue à l'Espagne, il joue dans les pays du Golfe. Voilà, Stock City, qui est un peu difficile. C'est ce que je disais. Et justement, il y a ce. Il y a cet élément-là qui est important, parce que ces joueurs-là, c'est pas juste l'avenir. On peut pas bâtir seulement sur des Kalou, sur les joueurs qu'on a cités. On doit bâtir sur ces joueurs qui ont gagné en expérience. Et quand on sait que,
quand on regarde l'équipe d'Algérie, le fait d'avoir gagné des titres en club, d'avoir des joueurs qui jouent dans des clubs plus importants, ça peut aider dans la gestion de ce genre de compétition, dans la culture de la gagne. Et ben, il va falloir aussi que ces cadres du Nigeria, ils trouvent aussi leur place en championnat européen et qu'ils redorent un peu le blason de leur équipe nationale en championnat. Et ça commencera par là. Après, le reste, vous l'avez dit, la variété dans le jeu, avoir des profils différents. Ouais, parce que si tu regardes vraiment la compétition, contre la Guinée, ils m'ont pas emballé. Contre le Burundi, aussi, contre le Burundi, ils m'ont pas du tout emballé. Ils perdent contre Madagascar en étant vraiment bousculés dans le contenu. Le match contre le Cameroun, voilà, il y a eu des choses très très bonnes offensivement, mais défensivement, ils se sont aussi fait prendre au piège, comme un peu ce soir. Le quart de finale contre l'Afrique du Sud, heureusement que le gardien sud-africain se trouve à la 90e, parce que tu peux aller dans une séance de prolongation qui... Ouais, et puis la deuxième mi-temps, elle est compliquée. Exactement, donc c'est vrai que moi, je rejoins Najim dans le contenu. Moi, la patte Guillaume Autrore, je l'ai toujours pas vue. Et je suis... Tu parlais du match dans 2016-2017, où clairement, moi, j'avais été impressionné par cette équipe du Nigeria qui avait désossé l'Algérie. 3-0 contre le 3-1, le 3-1, là-bas notamment, ils avaient été énormes. Et quand tu vois, en l'espace de 2 ans, cette équipe-là, alors il y avait Victor Moses, il y avait d'autres joueurs, etc., et celle de ce soir, tu dis quand même que tu as reculé dans le contenu, dans le jeu et dans le collectif. Il y a aussi des choix qui m'ont un peu laissé perplexe, notamment défensivement, moi, le défenseur Balogun qui a été préféré à Collins, alors que c'est pas non plus, voilà, c'est un joueur qui a eu de l'expérience et qui a joué avec le Nigeria en Coupe du Monde. Ne pas le voir sur ce genre de rendez-vous, moi, m'a aussi un peu étonné, surtout dans un secteur où c'est plutôt fébrile. Donc clairement, moi, pour te répondre ça, mais je sais pas, on peut pas se projeter comme ça 2 ans après. Ou qu'est-ce que va être la suite. On l'a vu sur cette carte. Bien sûr. Regarde, l'Algérie 2017, aujourd'hui 2019, le Cameroun 2017, aujourd'hui 2019. On peut le faire avec plein d'équipes. La dynamique est tellement aléatoire et dépend aussi du coach, de la stabilité des joueurs dans lesquels les clubs évoluent. Je vais y arriver. Donc voilà, tout ça, tous ces paramètres-là seront à prendre en compte et on se donnera rendez-vous dans 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est très très dur de se focaliser sur la suite pour le Nigeria. En espérant qu'on sera toujours là pour en parler, bien sûr. Et on en parlera mercredi avec la 3e place aussi. Exactement, tout à fait. Avec le côté de Romain Bédouk, parce que c'est pas fini, effectivement, cette CAN, et c'est les sauceuses qui nous rappellent. Et pour la Tunisie, pour le Nigeria, il y a encore une médaille à aller chercher. Ça vaut quoi une 3e place? Bah, une 3e place. C'est-à-dire que dans dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que autant les 3e places de Coupe du Monde, on les a tous, les passionnés de foot, etc. Est-ce que les troisièmes en Coupe d'Afrique, vous les avez? Le Nigeria avait fini troisième en 2010. Ouais. En gagnant 1-0 contre l'Algérie. Troisième 2017, c'est. Moi, je sais pas. C'est le Ghana. Moi non plus. Ouais, troisième 2015, c'est. Troisième 2015, c'est Guinée. C'est Guinée équatoriale. Il y a deux fois le Mali. C'est Guinée équatoriale. Le Mali, c'est 2012-2013. Et 2015, en Guinée, la finale, c'est donc Côte d'Ivoire-Ghana. Et donc en demi, il y avait Ghana, Guinée et la Côte d'Ivoire. Qui c'est qu'ils éliminent en demi-finale? En quoi, en 2012? En 2015. En 2015, c'est la RDC. La Guinée RDC. Et donc entre la RDC, et il me semble que c'est la Guinée équatoriale qui finit 3e. Ah bon, ouais, ça va voir. Mais j'y pensais la dernière fois, autant la Coupe du Monde, voilà, les Pays-Bas, l'Uruguay, etc. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la même. Exactement. On n'est pas dans la même dimension. Mais. Il faut rappeler que c'est. Enfin non, puisqu'il y a la Coupe. Je pense que globalement, elle est à 90% du temps, ça, c'est anecdotique, surtout quand tu t'appelles le Nigeria et que tu as quand même un calibre où on te place plutôt comme favori. Potentiel favori qu'autre chose. Pour des équipes un peu plus faibles, ça retient l'attention. On se rappelle du Mali 2 fois de suite, ouais, qui avait placé Égirès et le Mali dans une posture d'équipe avec intéressante. Aussi, la RDC également, ouais. Quand on parlait du renouveau de la RDC, souvent les gens prenaient pour exemple cette. Ils étaient 3e d'ailleurs, on me le confirme sur le chat, hein, en CAN 2015. Voilà, donc les gens prenaient en exemple la 3e place de la RDC pour. Bien sûr. Je pense que c'est plus pour les équipes outsiders, le deuxième chapeau africain, que c'est utile. Quand tu dis très grand, c'est à mettre combien? Tu parles de quoi là, Le grand attaquant là, du Mali. La légende malienne, oui, c'est ça? Quelle taille? C'est très grand. Ah, 94. Talent aussi grand. Quel club cette année? Il joue à Téhéran. Très très belle ville. Très très beau pays, l'Iran. On les salue. Je rappelle qu'il y a des pays maghrébins qui n'ont pas réussi à battre l'Iran lors de la Coupe du Monde. On respecte le football iranien, monsieur. T'es bon. On passe un bonjour. J'ai reçu des messages sur ma question tout à l'heure. Vous savez, la question que j'ai dit sur Mahrez, buteur, un coup franc à 94e dans une demi-finale d'une grosse compétition. Oui. Il y en a qui m'ont envoyé des messages, mais t'as oublié Messi contre Liverpool, mais ils ont pas compris le concept. Oui, c'est à 94.
14e clutch ouais. Dans voilà. une grosse compétition en sélection. Non, non, mais de la victoire. Quoi. Voilà, et on n'a toujours pas trouvé. Donc Marais a ce trophée là. C'est un peu compliqué. Bah, d'ici à Iniesta, Chelsea, Barcelone à la fin. C'est pas un coup franc. Ouais, mais c'est pas un coup franc. C'est pas un coup franc. Parce qu'on parlait de top 5 de coup franc. Le veto, ouais. David Luiz contre la Colombie à la Coupe du Monde. C'est un quart. Ouais, c'est un quart et c'est un quart. T'auras pas la clutch comme ça. T'auras pas la 90e. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur Twitter avant d'arriver. Je vais me la refaire toute la nuit. Du coup franc de Marais avec la musique de Titanic derrière. Je peux dire que ça procure la émotion. C'est déjà un classique. Avec les commentaires de Julien Brun derrière. Oh, oui, qui s'enflamme effectivement sur le but de notre ami Riyad Mahrez qui aura la lourde tâche d'affronter. S'il peut mettre le même de vendredi. Ouais, mais face à lui, il aura un monstre aussi. Hein. Qui? Dangereux Savali. Eh oui. Eh oui. Non, mais sur coup franc, il sera pas devant lui. Il sera peut-être gardien. Non, mais quand je dis oui, il n'y aura pas forcément coup franc. Moi, je pensais au match. Tu me rappelles le club de Savali? Il joue, il va jouer dans un bon club l'an prochain, je pense. Il va avoir un beau transfert, je sais pas. Ah, d'accord, ok. Merci là. En tout cas, on lui souhaite. Merci Christophe Hutto. De rien, on le salue aussi, tiens, justement. On va s'arrêter là, les amis, pour la soirée. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous sur le chat. Encore une fois, je m'excuse pour les 2-3 brebis garés qu'on essaye de virer. Hein. Il y a les modérateurs, ils font leur boulot, vous le voyez, Aymen Archan, Marius Cassoli, Najib Terzi, on les remercie. Ils sont avec nous quasiment tous les soirs pour essayer de faire régner l'ordre et la discipline sur le chat. Ah, voilà, j'aime bien sur le chat, justement, il y a Yann Diaga qui commence à nous dire Sabali va manger Riyad Mahrez vendredi soir, le combat va commencer sur les réseaux. Un très grand merci donc à vous les supporters, les socios, d'avoir été avec nous. Avant de partir, bien sûr, les amis, n'oubliez pas, surtout avant d'aller vous coucher, ça ne vous coûte rien. Un petit pouce bleu, bien sûr, on est déjà plus de 400, déjà plus de 400 likes, donc continuez les amis, vous allez jouer le jeu, pouce bleu au max avant d'aller dormir. Si on peut terminer l'émission là dans 3 minutes à 500 pouces bleus, et c'est carrément faisable parce que vous êtes encore plus de 850 avec nous, ce serait 1h41, 850 personnes. C'est beau. Hein. Un très grand merci. Je vous remercie notamment des socios comme Mohamed qui nous regarde au Cameroun, qui nous dit qu'il nous a découvert pour cette CAN, qui apprécie vraiment le club des 5 et qui nous dit qu'il espère vraiment qu'on sera là dans 2 ans pour débriefer la CAN dans son pays, d'ailleurs au Cameroun, hein, qui sera en 2021 sur le sol camerounais. Donc voilà, nous aussi on l'espère. Merci Mohamed. Être avec vous. Parlez-en autour de vous. À tous les socios voilà, de tout le monde entier qui nous écoute, d'Alger à Kyoto quand même, hein, faut le faire. Hein, ça fait un sacré voyage, il y a pas mal d'escalades. À mon avis, si on veut rallier les deux villes en un seul voyage. Un grand merci à toutes les équipes qui ont préparé les émissions de ce soir. Il y avait un dispositif assez renforcé avec 2 rédacteurs en chef, Antoine Le Breton et Farès Hachem. Farès Hachem, vous avez plus retrouvé dans les insides qu'à la préparation des émissions. Un grand merci, un très très grand merci également à toute notre équipe de rédaction et bien sûr Marine Guéo, Inès Koudourli, notre ami Arthur Veil qui était là bien sûr en grande forme aujourd'hui. Qui a regardé Federer Djokovic et qui a apprécié. Qui a regardé Federer Djokovic, effectivement. Je remercie également Marius Cassoli, bien sûr, qui est avec nous en régie, Yanis Ben Messaoud et Marwan Sahir, qui se sont beaucoup chamaillés ce soir. En même temps, il y en a un qui est en finale de la CAN, l'autre qui l'a quitté prématurément. Donc on est tous ensemble. Exactement, comme dirait un rappeur qui a sorti un album ce vendredi. Ah bon, qui? Ben Jérim. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Voilà, tu pensais merci Rap Genius. Tu pensais que je pensais à Grégoire. Merci Medjimaizi. Mais de rien, on salue ça aussi. Et un très grand merci à notre Jean-Jacques M. Salem du Club des 5, hein, bien sûr, Vincent ouais. Fournier, qu'on remercie, qui est là tous les soirs, qui arrive des fois un peu juste. Hein, c'est un peu le Neymar hein, du Club des 5, qui prend des longues vacances, on sait jamais quand il revient. Mais quand il est là, il est indispensable et ça, on le sait tous. Un grand merci à lui. En tout cas, un très très grand merci également à tous les trois, Najim Medini, qui était. Merci. Vous retrouverez dans l'inside, hein, très heureux. Merci à toi, Walid Acharchour, d'avoir été avec nous. On se retrouve cette semaine pour la finale. Bilou! Je vous informe, je vous tiens informé. Mais tu vous tiens informé? Je suis en instance de départ avec. Non, mais le parcours, il ira pas. Ça, c'est parce que je le chauffe, tu vois. Je veux le chauffer, On sait pas de quoi il fait demain, mais. On a eu un débat dans la rédac, je leur ai dit, vous verrez, il ira pas. Voilà. Mais c'est comme ça, je sais comment le chauffer. On sait pas de quoi il fait demain, tu, en tout cas. Tu peux pas rater une finale de l'Algérie. Toi, tu peux pas rater en une finale. En tout cas, Babacar, si j'y vais, c'est pas pour la rater. Non, parce que Babacar, un peu entre deux. Ah, je suis pas entre deux, c'est juste qu'on a. C'est encore. Ah, c'est en discussion, il y a un contrat, etc. Babacar l'attend, lui, c'est bien. Attends, mais si Babacar et Bilal vont là-bas, il faut ramener une caméra, quelque chose. Alors,
va leur donner une vidéo. Ah, c'est quelque chose. Beau Sénégal-Algérie du club des 5. On aura deux inside, un au club des 5 et un au Caire. On sera ensemble avec Babacar. On a immortalisé le moment. Ah non, ce serait beau. Bon, après, voilà. À Bilou, trouver des billets d'avion pas trop chers. Pour allier l'Égypte, en tout cas. Bon, voilà. On va dire que si t'es pas avec nous, on te souhaite un très très bon séjour. Merci les gars. Merci les gars. On pourra terminer l'année ensemble. Je me connecterai peut-être sur le chat. Un plaisir. On aura les images en tout cas en direct de l'Égypte. Encore une fois, un très grand merci à vous les Sosos d'avoir été nombreux avec nous. Pas d'émission cette semaine, désolé, jusqu'à mercredi, donc demain soir et mardi soir. Petit repos, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu. On vous offre deux petits insights qui vont arriver, un demain soir, un mardi soir, du coup comme ça, vous aurez le temps de les découvrir tranquillement. Un grand grand merci donc encore une fois à vous les Sosos d'avoir été avec nous. Passez une très très bonne nuit, un très très bon début de semaine et on se retrouve mercredi dans le Club Essence. Ciao. Ciao tout le monde.